chaque matin, des fleurs pour toi semer. J'aime ta parole, Seigneur, tu me donnes des paroles, toujours un honneur et un privilège chaque fois nous venons dans la présence de Dieu pour offrir l'adoration avec l'orange. Et quand le moment arrivé aussi pour nous partager ensemble parole papa bon Dieu qui c'est la vie pour nous les chrétiens. Maintenant, considération nous a fait c'est dans Galates chapitre 5. C'est le deuxième texte qui était lu maintenant. À partir du verset 16,
pour arriver dans le verset 26, que nous n'avons pas le temps pour lire encore. Verset 16 l'a dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous allons considérer la chair contre l'esprit. La chair et l'esprit, c'est deux forces différentes que nous pourrons considérer ce matin tout au long de la méditation. Prions le Seigneur. Dieu fort et redoutable, notre Créateur, notre Maître. Papa nous, qui plus haut, plus haut, plus haut, le ciel là, pour même qu'à prier, Seigneur, pour tout le temps, nous courber devant, nous faire chapeau bas. Pour le moment, c'est là, un moment que nous considérons très précieux, un moment solennel. Avec Bible, ouvrir devant nous, oh Dieu, pour nous parler parole. Ça qui t'est enseigné dans tant de temps. Puisque 2000 ans de cela, parole ça a été enseigné dans l'église, hein, que c'est l'église Jésus-Christ. Et je dis, parole cela a continué à propager à travers le monde. Si nous prions dans la minute, cela, papa. Recevoir-nous, recevoir moi-même qui campe pas devant. Et aussi, by congrégation et nos chers internautes, une attention qui retenue, nos oreilles qui attentives, pour entendre ça, on doit entendre et mettre en pratique. Parler ce matin que moi-même, moi diminue et que le Seigneur Jésus lui-même le monte en dignité. Nous prions dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Une fois encore, frère Maxime, bon Dieu béni, non. La chair contre l'esprit. La Bible parle de deux chemins qui sont possibles à travers la vie que nous avons menée sur cette terre. Dans l'Évangile, selon Saint Matthieu, chapitre 7, verset 13, 14, Jésus dit, il y a un chemin qui mène à la vie. Et il continue pour dire, l'autre chemin, hein, puisque c'est deux chemins, il y a un mené à la vie, l'autre là, il mène à la mort. Déclaré péremptoirement, entrez dans la porte qui est étroite là, laisse nous sauver par la grâce. Nous avons sauvé par la grâce. Et pour ça, qui est étroite là, il a mené nous dans le ciel. Et il dit, tout l'autre monde qui allait dans porte l'âge là, porte qui l'âge là, c'est porte qui menait dans la perdition. Qui menait dans l'enfer. Porte l'âge là, c'est ça, toute l'autre religion, yo a enseigné. Toute notre religion, yon yon propagé, yon présenté, yon homme, yon sauveur, yon messie, yon libérateur. Mais yon dehors de Jésus-Christ, qui c'est vrai chemin, qui pour mener nous dans le ciel, pour m'accepter. Paul présentait la liberté des chrétiens. Il dit, nous dans Christ, hein? Nous accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, non. Il dit nous libérer. C'est un message que lui voyait par le légalisme. Pour dire légalisme, nous mentir. Nous-mêmes qui voulons faire. Monde qui sauver, monde qui libérer pour tourner dans l'esclavage encore. Paul dit il n'est pas ainsi. Et message encore, Paul enseigne, il dit nous-mêmes qui gagne liberté. Il dit pas point liberté comme prétexte. Pas point comme licence.
Puisqu'il en est ainsi, c'est comme si Paul t'a exhorté nous pour nous compter sur une puissance qui est plus forte hein, que nous-mêmes. C'est la puissance de cet esprit qui peut aider nous, étant que chrétiens, pour ne pas prendre la liberté que nous gagnons comme licence pour nous faire ça nous voulons, mais il dit de préférence. Comptez sur la puissance de cet esprit qui est capable d'aider nous pour nous lutter contre la chair. Je voulais illustrer ça matin la vie chrétienne. Témoin de grâce pour venir. Bref, avec Timli. La vie chrétienne, les païens, ils ont la cour de récréation. Tap dit, Grace, là où l'école, when you are at school, so what did you do during your free time? Did you go to the playground? And I asked her, what did you do when you went to the playground? And I told her yesterday, I want you to show the church something that you did in the playground. Let me ask Grace to do that to illustrate what you did. Ici, c'est juste yon parti dans ça, yon fait dans l'heure de récréation. Nous-mêmes qui étions en Haïti, si nous avons quelques dans nous pour dire, ou bien, les noms en fuite, nous, même c'est la caille, nous, qui ça nous connaît faire, la caille, nous, nous venu avec une sorte de jeu pour nous dire, ça cap chanter à l'oreille. Ça cap chanter Frère Jacques, etc. Donc, série d'activités que nous faisons, ça, c'est fun, c'est jouer, nous jouer. La vie chrétienne, c'est pas ça. Nous ne pouvons pas jouer si nous disons que nous sommes chrétiens. Nous. Si nous disons nous ne pouvons pas jouer, si m'ta dit frère Blo, viens joindre moi là. Pour une seconde, on va venir. Pop tu. Si m'ta dit frère Moïse, viens joindre moi. Je suis en minute. Va demander pour nous faire. Non pas parce que nous pas. I'm not going to ask you to play. You're adult, you're not kids. And you're not woman. Si vous êtes sorti dans le playground, dans la cour de récréation, vous avez joué. Mais si vous prenez deux messieurs, vous prenez plusieurs messieurs, vous mettez quand vous là. Vous n'êtes pas dans la cour de récréation, mais vous êtes dans un champ de bataille. Un champ de bataille, c'est soit vous avez un bâton pour tirer un coup de bâton. Soit vous coulez nos machettes pour tirer coup de machette.
c'est marqué moi pour. Soit ou gen zam pour yon tirer l'autre. Et ça a passé en Haïti. Parce qu'on guerre civile. C'est ça le champ de bataille. C'est ça la vie chrétienne liée, nous mettons allé. Mais c'est bien. La vie chrétienne, c'est un champ de bataille. Par on se passe côté n'a joué. Pensez à ça pendant que nous pas parler. Continuez à parler. Dans le champ de bataille là, c'est lutter nous lutter. C'est guerre qui gagne. C'est bataille qui gagne. Nous, comme chrétiens, nous avons sacré un conflit à l'intérieur de nous-mêmes. Dans la vie, nous avons sacré un conflit. Entre deux forces, force la chair et force l'esprit. L'esprit et nature pécheresse. Il y a un conflit, il y a une lutte. Et c'est une lutte qui a enchaîné lié. Nature pécheresse, c'est toujours à chercher, sans nous t'arrêter, une gratification. Un bagage pour satisfaire. Pour faire le plaisir. Mais en même temps, nouvelle nature que nous gagnons. Il toujours voulu pour faire papa bon Dieu plaisir. De nature, yon c'est pour satisfaire tête nous, pour nous chercher gratification. L'autre nature, c'est pour faire papa bon Dieu plaisir. Force yon a côté qui opposé. Paul parle concernant comportement, caractère qui opposé ou bien ça que la chair lui-même lui adopté. Nous pouvons parler de la chair. Caractérisation, la chair, dans le texte là nous sommes liés, nous pouvons demander pour nous écrire ou bien marquer la Bible, nous allons arriver à la caille pour nous lire le texte là. Et vendredi prochain, nous allons étudier le texte là, dans l'étude biblique. Très souvent, nous allons étudier le passage avant, si nous prêchons, nous prêchons avant que nous étudions le texte là. Dans le livre Galates, nous arrivons dans le chapitre 5, verset 16 à 26, que nous allons étudier vendredi. C'est là dont nous avons parlé aujourd'hui. Verset 19 et verset 20. Caractéristiques si la yo représente yon partie qui sombre dans la vie non. Où les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les intimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les voyeries, les excès de table. Et tout ça qui semblait avec caractéristiques de la yo, que bagaille qui pas cité là. Si nous cherchons, nous avons trouvé quelques vocabulaires pour rentrer, insérer ou bien compléter ça. Ou bien quelques actions que nous posaient qui semblaient avec toute bagaille sur la yo. Nous vivons dans un monde qui est compliqué, qui est sophistiqué, dans un monde qui vit aujourd'hui.
La Bible a mentionné ça dans Apocalypse chapitre 11. Je pense qu'il parlait de deux mouns qui mourir. Amen, pas mourir. Qui montait dans le ciel sans pas passer par la mort. Enoch, Élie. La Bible dit, qu'au moment qu'a privé, deux mouns qui ont gagné pour mourir. Il y a besoin de descendre sur la terre pour mourir. Et la Bible dit, un peu de monde va ouais yo. Ça a écrit longtemps, plus que 2000 ans. Là où tu as parlé, les ça prophétisé, écrit dans la Bible. C'est comment moi capable en Haïti. Je suis capable ici aux États-Unis, si je mourir en Israël, en Middle East, comment je peux le faire? À cause de distance, les événements passés aux côtés de ces gens qui sont autour de lui, qui ont événement. Ils ont prophétisé. Et plus tard, vient une sacrée innovation qui a fait progrès dans le monde. Vin gen sakre le internet ki rentre nan moun la. Nou pa tout sa yo, se pou ka konprann sa nou ap di. Internet permet ke sa ki a pase an Haiti jodi a mwen wè yo. Moun ki mouri nan Middle East, nou ka wè yo. A cause de internet ki voye yo, media yo voye yo, monte nou voye yo nan screen nou, nou voye yo nan ekran, télévision, ekran, téléphone, tablette, nou voye yo. C'est juste pour dire ça, te prophétiser, peut-être un peu le monde pas ka konnen pa ki moyen ou bien si ta gon moyen comme ça pour nous dominer, ça ka passer un peu partout à travers le monde. Mais depuis longtemps, des années de cela, nous avons vu l'événement qui a passé de l'autre côté. Hier matin, nous étions en réunion. Même une organisation, nous sommes toujours réunis une fois par mois. Nous avons parlé d'organisation. Fois c'est là, c'est le président de l'organisation, justement créé une organisation pour aider les défavorisés. Les deux mini en Haïti, c'est tout. Puis, d'un côté, à Thibonite, qu'elle était décidée pour choisir une zone côté. Un peu petit monde pas aller à l'école, même l'aigle à l'école. C'est l'école nationale, il n'y a pas qu'à Fordly, il n'y a pas une place là-dedans. Il n'y a pas qu'à aller à l'école. Il était décidé dans l'église, il jouait le local là pour mettre à l'école. C'est commencé l'année dernière avec quatre petits mouns. Il y a un professeur pour le payer. Alors il y a quelques membres de bonne volonté qui mettent 10 dollars ou 20 dollars pour nous voyer, pour payer, pour supporter le professeur. Parce que c'est service à prendre. L'organisation n'a pas payé. Nous avons une réunion, c'est juste pour arriver côté de l'hiver. Quand on a parlé concernant une levée de fonds que nous avons dû faire, c'est que ça n'a pas venu avec lui pour lever de fonds. Puis il y a un homme qui mentionnait à faire plume, nous avons marqué nos organisations. Quand on a parlé de ça, il y a un portable qui ouvre. Et puis pendant qu'on a parlé, il rit, il dit comme ça, nous ne connaissons pour qui ça mourit. Je lui ai demandé pour quelle raison. Il dit, pendant qu'on a parlé de plume, non. Il dit, mon compagnon, qui a posté un ad sur la tablette qui ouvre pour faire me connaître que nous avons joué une plume à 89 centimes si nous achetons une centaine. Parole n'a pas parlé simplement parce que le portable a ouvert, le message là allé et le capté. C'est juste pour nous arriver dans ça, nous sommes l'île là. Peut-être pour qu'on connaisse qui côté m'a pour aller.
Les Paul t'a écrit, tant pas évolué de ces gens. Mais il y a pas cette situation qui a passé dans l'église là. Ça les connaît. Quelqu'un qui peut te plaindre. De ça qui a passé la caille, ça qui a passé dans mes temps, yo. Ça qui a passé dans mes temps famille chrétienne. Yo. Et pour le temps de yo, puis pour une doléance, yo. Paul Poil écrit. Tu finis de parler de liberté, il parle concernant les œuvres, la chair qui manifestait. Et puis pour la cité, yo. L'impudicité, l'impureté, la dissolution. Les nous lit toutes caractéristiques sur la yo, yo groupé en quatre catégories. Quatre catégories. Qui première partie, c'est le péché sexuel. Catégorie numéro 1. Paul connaît que cette d'immoralité ça dans l'église là, dans la communauté chrétienne là. Il veut pas le mentionner. Paul a écrit contre lui. Pour parler avec, quand le côté passé, qu'on parle avec l'église locale, yo, voyez l'être bas, yo. C'est ça qui permet que moi-même, ensemble avec vous, nous censé venir des bénéficiaires de ça qui te connaît Christ, à Paul, te qu'on dit à l'église locale, yo. Il parle de péché sexuel, qui c'est immoralité. Ce comportement, ça a le sens Paul parler, il parle de comportement illégal entre célibataires ou bien entre moun qui marié mais qui rentre dans des ordres la chair. Les célibataires auraient une fornication parce qu'ils rentrent dans une relation sexuelle avant le mariage. Il a parlé de pureté, l'adultère, il y a plusieurs formes, l'adultère, de rentrer dans le monde qui est marié, marié avec madame, yon un copain, et puis, en dehors du mariage là, yon rentre dans la relation avec un autre partenaire. Paul a parlé de ça, il a dénoncé ça. Yo. Il parlait de comportement sexuel qui est illégal. Vice contre la nature. Assurément, on te fait, pas assurément, ce sont des choses qui te confèrent en secret. Tu fais en secret, mais tu arrivé dans les oreilles Paul. Paul attendait, yo. Ils ont envahi la communauté, ils ont envahi l'église là. Paul attendait yo. Les actes à opposer, ils ont pas posé en public. Ils ont posé dans le lieu qui secret, dans le lieu pour mon power. Mais je vous dis, ils ont vint tendre, Paul vint tendre yo, ils ont pas secret encore, mon vint connaître yo. C'est juste pour dire na vive dans l'époque, na vive dans le temps, nous vivre. Il est très, très, très facile, même si nous faisons des choses en secret, et puis pour ne pas révéler. D'ailleurs, la parole de Dieu est déjà claire sur ça. Oui? Parole, bon Dieu dit, pas de bagaille, il n'a fait dans le secret qui n'est pas dévoilé. Alors, c'est juste pour dire avec Internet. Que série de bagailles nous pensons en secret. C'est secret yo qui pourtant yo pas secret. Que au monde Miami quelqu'un nous dit cela. Et puis madame lui a expliqué, il dit mais oui, Marie me gagne un sol. Il rentre là-dedans. Connait, il a pas le toucher sol là, me dit il a parlé. Et moi je pas connait s'il dans sol là.
il peut lever sol là, ça veut dire mais qui moun il passe, il peut bailler une portion là-dedans qui me connaît. Ça c'est on l'autre à côté. Et puis n'a parlé parlé, me dit comment faire connaître ça? Est-ce que c'est un moun qui dans sol là qui joue ça? Il dit non, pas quoi. Il dit bon secret. Et puis bam secret. Il dit me senti appareil tout petit, moi qui en Dakar là, il a communiqué. Moi-même, l'homme venait me tendre. Nous avons tout ce que nous avons. C'est parce que, puisque au mois de cela, quand il y a deux ou trois personnes qui ont été témoins, ça m'a dit à noter une prière. Les jeudi, nous relayons les prières d'intercesseurs. Les intercesseurs qui intercédaient pour l'église là. Nous faisons les jeudi à midi. Et puis, jour ça, quelquefois, je prends toute demi-journée à me gêner. Jour ça, je me gêne. Je me tiens dans la cabane, je me gêne. Et puis, pendant que je me gêne, il y a un sommeil qui prend. Et puis le Seigneur bien demande dans l'église là. Puisqu'il y a un mois de cela. Il m'a mentionné ça dans la prière. Et puis le Seigneur montre que l'église là, est-ce que nous parlons de clean chaque samedi? Nous avons des dames qui ont clean, nous avons deux gros garçons. Des messieurs qui ont renforcé, quelquefois mieux clean. M'a passé, toujours bien ça. Capet la vacuum. Il y a au clean tout derrière là. Et puis pendant le CMNM là, il montre l'église la fume clean. Et puis il me paraît, moi j'ai trois côtés qui ça là. Derrière la capet, ça qui n'a l'air, moi j'ai un petit peu le fatra. Dans mes temps là, moi on l'autre petit peu le fatra, et puis devant là encore, moi on l'autre. Et puis le Seigneur Paul montre comme ça. Il parle voyant pour moi, vin clean. Il dit demain tu marches, on ne va pas venir. Comment il reste à faire? Fait. Pour l'église la clean, et puis il y a mal propre comme ça, fatra, en dans l'église là. Il vient pour un balai. Moi, vacuum, moi, ramasse yo pour nous préparer pour service d'adoration. Nous pas parler pour indexer moun, mais essayer pas montrer mon bagay comme ça puis pas de réalité là-dedans. Dans le moment de prière, le moment de jeûne, je vais manger. Très souvent, c'est après prière, je mange le jeudi. Si le Seigneur ne peut pas montrer mon bagage comme ça, il ne peut pas avoir une réalité là-dedans, l'église. La fois dernière, je m'approche, je m'ai dit, il parle mal contre l'église là. Tu dis ça, oui? Il dit qu'un groupe de monde qui vient et puis un groupe de monde qui était ancien là, qui déjà dans l'église là, il parle mal contre l'église là. Il fait un monde qui pas venir encore, pas mettre pied. À tel point, on dit l'église comme ça, c'est des bagages, ça, il n'y a pas qu'à marcher dans l'église là. Si on voulait nous tous qui a coûté, nous chercher qu'on ait qui leçon pour nous tirer, n'a pas ouel sa matière. Qui ça le Seigneur voulait dire non? Est-ce qu'il y a un message personnel que Papa Bon Dieu voyait pour moi?
Est-ce qu'il a parlé avec moi directement? Ou bien est-ce que ça te l'a dit par là encore? Est-ce que nous confessons déjà? Nous sommes dans l'université. Le Seigneur montre, c'est pour me confesser et demander l'église pour confesser. Il t'a annoncé ça. Pour demander bon Dieu pardon. Quelquefois, nous faisons des bagailles qui mal. Nous ne rendons pas compte si nous faisons des bagailles qui mal. C'est comme si. C'est dans le zombie, man, remarque un petit poulette. C'est dans le playground, nous avons joué. C'est comme si nous ne considérons pas si nous sommes champ de bataille. Les heures de récréation, c'est la dernière. Nous l'église n'a pas fonctionné comme ça. Depuis le monde te monte, depuis l'église Jésus-Christ est fondée. L'Esprit bon Dieu demande que l'église de Jésus-Christ soit l'église de Jésus-Christ. Une bonne messe, un bon principe, nous prenons dans le monde. Et l'église là qui s'y est, le Seigneur relève nous sortir dans le monde, nous mettons nous à part pour servir. Et il déclare c'est pour nous saints, parce que moi-même, moi saint. Première catégorie, hein. C'est péché sexuel. Et ça ravage le monde, il ravage l'église, il mettait l'église tête en bas, il écrase l'église, il handicape l'église. Quelquefois, il arrive à un degré, nous pas même sentir la présence de Dieu, la puissance de Dieu en dans l'église là, parce que il y a un mauvais bagage qui entoure l'aspect de l'église là. Service là pour faire bon Dieu. Vous pensez que si je dirige un service d'adoration là, je ne vais pas arriver côté papa bon Dieu, je vais amener nous devant papa bon Dieu. Non, il faut que je arrive avant. If I don't reach the presence of God, there is no way that I can bring you to the presence of God. Impurité. Ça, c'est péché sexuel. Nous pas détailler tout péché sexuel. Il y a un peu, nous connaissons. Infimité, infamité, sacré, toute bagaille lesbienne, gay. Quelquefois, tout ça rentre dans l'église. Parfois, nous connaissons parce que nous, c'est mon cap travail. On travaille pour le Seigneur avant soleil à coucher. Dans nous, c'est bonne nouvelle de tout partout. Parce que nous connaissons, c'est ça la chance de nous passer en dans l'église avec un mal propre, ça y est. Ou pas là-dedans, mais ou pas existé dans le temps. Non. Si le Seigneur te voulait, pour m'élaborer en partie ce texte ce matin, pour l'Église communautaire de l'Espérance bénie, et aussi, moun kap koute nos chers internautes, nous capables de bénéficier. Ça, le Seigneur voulait vous comprendre à travers la parole ce matin. Je ne vais pas parler en bagaille pour satisfaire tête moins, pour faire tête moins plaisir. Je vais parler en bagaille pour la gloire de Dieu et en bagaille pour le bien-être de l'Église de Jésus-Christ ce matin. Immoralité sexuelle. Ce le Seigneur veut nous neutraliser. Bon Dieu voulait pour nous neutraliser acte ça yo acte vagabondage ça yo si toutefois on a mis dans nous peut-être passé est-ce que m'ta doué
raconter la révélation que tu fais entre les leaders. Ou bien parler dans la grande assemblée. Je me dis non, why not? Pourquoi ça ne me pas dire dans la grande assemblée? C'est parce que tu as pensé à leader autour d'abord. Les gens qui ont une position leadership. Si on a telle vision, révélation comme ça, assurément, le cas affecté quelques monde qui sont en position leadership. Puis dans la semaine, je me dis, qui t'aime commencer en l'air? Qui t'aime commencer à pasteur Simon qui chita là, c'était pasteur Elio, je ne dis pas. Pasteur Elio, pasteur Ewald. Et puis je passe pour les musiciens, je passe pour le corps diagonal, je passe pour un rocher team. Je suis allé dans Sunday School, le leader de l'école du dimanche. Je suis allé dans les médias. Je suis allé dans le département des enfants, le leader, le département des enfants, la jeunesse. Je suis allé dans la maintenance. Je suis allé dans la cuisine, le monde qui a fait préparation pour manger. Tout cela, nous sommes en position de leadership. Tant de fois, on va faire un bagaille pour bon Dieu. Dans l'église, papa bon Dieu, on a position leadership. Il y a des gens qui suivent. Il y a des gens qui travaillent en bas, titelo. Il y a des gens qui observent. Mais que ça. Conclusion. Pas conclusion pour le message, je ne peux pas finir. Même pas finir le message à Yodian. J'essaie de dire qui sont vos pensées, sont des gens qui sont en position de leadership. Quelques mois de cela, parce que c'est moi qui dis, je prends recul. Ce n'est pas le même aspect ça. Il était décidé pour un recul, il y a un temps pour reposer, il y a un temps pour méditer, pour gêner, sans ne pas participer dans le service de l'église. Il y a quelques mois, il est là, même s'il est là, il parle là, il fait prière. Il était décidé pour un recul. Mais qui ça, à la suite de ce message, pasteur Ewald, pour inviter les gens qui sont dans l'église, les leaders qui ont des choses à faire. Si toutefois, ils ont mal propreté cela, ils ont pu prendre recul. Ces deux bagages, c'est soit nous repentir, nous demander papa bon Dieu, pardon, nous confesser devant bon Dieu. À tout cœur, nous faisons avec conviction pour bon Dieu pardonner nous ou bien nous prendre recul. C'est vous qui ne connaissez pas. Donc, prendre recul là pour combien de temps? Est-ce que vous prenez pour jusqu'à ce que vous mouriez? Ou bien vous prenez recul là? Nous vivons certains temps. Pour décider, est-ce qu'on doit continuer la gagne ou bien on stop. Il y a quatre catégories. On peut toucher toute partie qui t'aime toucher en deuxième. De parler de péché. Deuxième catégorie, c'est péché religieux. Domaine de la religion. Péché religieux, c'est là nous-mêmes nous t'adouer servir, bon Dieu. Nous-mêmes nous t'adouer adorer, nous connaissons seul vrai Dieu. C'est ça, nous. La Bible, c'est nous. C'est ça, nous croyons là-dedans. Le créateur de l'univers. Et puis au lieu de nous adorer le seul vrai Dieu, nous détourner tête, nous adorer l'autre bagaille.
Nous entrons dans l'idolâtrie. Il parle de sept. L'idolâtrie. Après, il finit mentionner l'impudicité, l'impureté, la dissolution, et puis il dit l'idolâtrie, la magie. Quelque chose en dehors de Dieu après recevoir adoration dans mes noms. Il y a un bagage qui est en dehors de Papa bon Dieu, nous honorer. C'est comme si nous nous baillons priorité dans la vie. Non? C'est quoi nous? Nous, ce sont des aborigènes qui ne connaissaient pas le vrai Dieu. L'histoire dit qu'ils adoraient toutes sortes. La lune, soleil, étoiles, les animaux, qui adoraient une roche, un pied bois. Il y a adoration au lieu de adorer le vrai Dieu. Que quelques monde c'est l'ignorance, dans l'ignorance, pas qu'on est le vrai Dieu, peut-être qu'on pense que n'est pas de bagaille qu'à Dieu pour eux. Mais pour nous qui sommes dans l'église, nous connaissons un vrai Dieu, un vrai adorateur. Nous devons adorer en esprit et en vérité. Nous voulons rester là matin pour nous prier. Pour la vie, nous, pour nous prier pour l'église, communauté de l'espérance bénie. Le Seigneur voulait passer avec nous en dans l'église. Il voulait faire route ensemble avec nous. Mais quelquefois, nous venons avec fatra, avec la boue, qui a bloqué le caoutchouc, qui a fait patinage, pour ne pas continuer à faire route. Bon Dieu, bénis l'église ce matin. Ténèbres.
oh, oh, oh.